Salut à tous, c'est Pinucha12 et on se retrouve pour une nouvelle série. Eh ouais, c'est une nouvelle série. Et donc du coup, c'est une série toute simple. Je crée un monde survie sur Minecraft totalement au hasard. Et mon but, c'est de survivre et réaliser des petits objectifs. Donc je crée ce monde en survie. Alors pour le moment, j'ai rien trouvé d'autre de mieux que, comme nom, la Pingo Aventure. Voilà, la Pingo Aventure. Si vous avez des idées de meilleurs noms, au moins Pingo dedans. Je suis d'accord. Donc on regarde en plus cette structure. Oui, commande de triche. Commande de triche, non. Et puis voilà, tout est bon. Donc on va commencer. Alors je ne sais pas du tout sur ce que je vais tomber. J'espère un biome plein, avec au moins une forêt à côté. Si je tombe dans un biome désert, je suis dans le caca mou. Je lance mon chrono et top, c'est parti. Alors c'est un premier épisode, donc je vais couper du bois, miner les trucs qu'on fait au tout début d'aventure. Donc, alors voyons voir où je suis apparu. Ok. Bah voilà, je suis apparu dans une plaine. On laisse charger. Oh, il y a des citrouilles. Pas mal, surtout quand on sait que les citrouilles c'est rare. Ouais, ça peut être sympa par ici. Là, il y a l'air d'avoir une grotte. Je suis en 1.8, hein, bien sûr. Et s'il y a des chevaux, ouais, ça peut être sympa ce début d'aventure. Donc là, ça charge, c'est normal que ça prenne du temps. Ouais, on a une grotte, c'est pas mal. Bon, bah, j'ai commencé tout de suite à les miner. Enfin, peut-être couper du bois, hein. Alors, je vais vous dire les plusieurs objectifs que j'ai. Déjà, un objectif très simple. Enfin, très simple à dire, hein. C'est de faire tous les achievements du jeu. Et pour vous montrer, tous les achievements, c'est ça. Voilà. Et encore là, on les voit pas tous, mais il y en a plein. Enfin, c'est pas mal. Donc, je regarde ma difficulté. Je suis en normal, ok. Donc voilà. Alors, j'ai de faire tous les achievements. J'ai de trouver des spawners. J'ai entendu un bruit. Et en faire une machine, hein, ce que vous voulez. J'ai à faire de maison pargoin. Mais bah, je suis un peu enrhumé. Car c'est un des objectifs que je me suis fixé. J'ai déjà les plans. Maison pargoin. Aussi de mettre un skin bizarre à un moment. De faire un mouton géant. De tuer 5 bestioles différentes à main nue. Oui, c'est un objectif pourri, mais on me l'a donné, alors je vais le faire. Parce que les objectifs que vous me donnez, je les ferai, hein, souvent. Aussi, battre le dragon et le wither boss. Quoi d'autre je cherche. Je ne sais plus. Ah oui, tous les 10 épisodes, je mettrai un pad de texture différent. Voilà, comme ça. Pour voir ce que ça rend, hein. Bien sûr, c'est que le 10 ou le 20, le 30 que j'ai un pas de texture. Sinon, j'oublie certainement quelques objectifs que je m'étais fixé et qu'on m'avait fixé. Mais bon, de toute façon, on me le redira certainement dans les commentaires. Si vous avez des idées d'objectifs que je pourrais faire, vous me le dites. Moi, je serais ravi, si c'est pas trop dur, bien sûr, de les faire. Comme faire une ferme à or. Ça, c'est pas de facile, mais je compte le faire. Alors voilà, donc j'ai pas mal de bois déjà. J'ai regardé s'il n'y a pas des bébêtes dans le coin. Des vaches, je vais les garder. Parce que je compte faire un élevage de vaches, rien à foutre. Ouais, pas mal par là-bas. Ouais, bah je vais me faire une épée, une pioche. Hop, hop, hop. Hop. Donc là, c'est les bases de Minecraft, hein, vous savez comment ça marche. Voilà, je récupère ma petite table de craft. Voilà. Là, je vais pas courir. Avant, je vais trouver quand même, je sais pas, des petits cochons, des trucs du genre pour avoir une bouffe. Parce que, bien sûr, on est en 1.8, donc les moutons donnent de la bouffe. Enfin! Voilà. Si je trouve des lapins, ça pourrait être sympa aussi. Trop d'herbe. Ah bah, des chevaux blancs, c'est bien sympa. Il y a plein de
De petits chevaux ici. Ah oui, un objectif. Collectionner tous les blocs du jeu. Et voilà, collectionner dans tous les blocs du jeu, en faire un musée. Et aussi faire quelques bidibio, miniatures, tout ça. Voilà. Mais il y a des chevaux où je suis, hein. Je peux pas avoir, je sais pas, un cochon, une vache. Enfin si, il y avait deux vaches là-bas. Ah, des lapins. Aïe. Je suis désolée, maman lapin. Je dois te tuer. Reviens ici. Aïe, voilà. J'ai de la bouffe. Mais c'est pas ça qui va me suffire pour aller en grotte, hein. Bon, alors, ici, j'ai des ânes. J'ai beaucoup d'ânes, en fait. Sérieux, y a de ça, y a des ânes. Je vais devoir me nourrir de pain, hein, si c'est comme ça. Bah, je vais... En même temps, je vais prendre de l'herbe. Je sais jamais si je dois me faire des graines... Enfin, du blé... sous vitesse grand V. Ouais, en plus, ça rime. Au moins, j'aurai quelque chose. Alors, j'ai... Or ce but... Ah, là-bas ça prend feu. Je sais pas, j'ai envie d'aller où ça prend feu. Ne vous inquiétez pas, on ira explorer la grotte après. Hein. Là, en allant voir le feu, les arbres qui crament, je vais prendre des graines. Et on a bien fait, car des lapins. Alors je pourrais les adopter, mais je laisse les bébés, hein, comme ça on aura des lapins plus tard. Peut-être, lapins de compagnie. Imaginez, je sais. Alors là-bas, ça prend feu. Il doit avoir un lac de lave tout près. C'est même obligé qu'il y ait un lac de lave. Oui, il y en a un. Au moins, on aura de l'opsy, au cas où. Donc, mais il y a des chevaux, c'est pas possible. Je pourrais les tuer pour faire d'armure en cuir. Ouh là, là, désolé pour le lag. J'ai eu un petit freeze. C'est peut-être à cause de la lave. Ah, là-bas, il y a un marais, je crois. Je crois avoir vu un marais. Bon bah j'ai deux viandes de lapin, ça va pas suffire. Ça c'est sûr. Bon, ce qui m'énerve c'est qu'il y ait des chevaux quoi. Encore, je sais pas, je serais tombé sur un lieu mais que des moutons, j'aurais pas dit non. Mais bon là, que des chevaux, c'est un peu embêtant, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Pas si vous aimez les chevaux. Hein. Après faudrait qu'ils rajoutent la bouffe de chevaux. Parce que là, s'ils auraient rajouté la bouffe de chevaux, encore un lac, désolé. Ils auraient été vachement contents, je peux vous le dire. Je casse en passage. Comme je vous l'ai dit pour la micro-envie. Donc je me dirige, si je me trompe pas, dans la caverne. Je me trompe complètement de côté. C'est pas grave, on visite. Ah là, elle est là-bas la caverne, on la voit, elle est toute jolie. Alors, bon. C'est risqué d'y aller en caverne avec le peu de bouffe que j'ai. Mais bon. Je pense que je vais tuer les 2-3 vaches là-bas. On en retrouvera d'autres. Je sprint vite fait. Je vais arrêter. Je devrais pas sprinter. J'ai tué 2-3 vaches et on va partir en mine. Hein. Et voulez-vous que je vous dise? Plus, il va bientôt faire nuit. Bon. Puis dans la forêt, j'aurai peut-être plus de chances de trouver de la bouffe que dans une plaine. Parce que dans les plaines, à part les lapins. Ok, oh, bah, y a une petite grotte. Je sais pas laquelle qu'on va faire. Je vais faire celle-là vu qu'elle est toute prête. Et toute prête, elle est là, elle dit, venez me voir. Voilà. 4 steaks en plus. Ah bah, des boubous. Des boubous de mouton. On va en faire du kebab. Ce soir, c'est kebab. Il y a 2 moutons. Il m'en faudrait 3, j'aurais un lit. Allez, hop. Élevage de kebab. Je ferai un élevage de kebab. Voilà, voilà. Voilà. Voilà, le troisième mouton. Et bon, on va partir creuser. Il y a une vache. Ah là, mort aux vaches, j'ai eu un succès, super. On va aller dans la grotte là, je sais qu'il y en avait une autre là-bas, mais bon, on s'en fout, on va aller dans celle-là. Rien à foutre. Et puis, bon voilà. Eh ben, il y a déjà un archer. Bijour. J'en profite qu'il soit un peu con, encore. Hein, 1.8. Ouais, bon, là, il y a 2 archers, ça va moins le faire. Il y a déjà du fer. Que de suspense, déjà du combat. On vient à peine de commencer, vous savez. Je vais déjà agresser de tous les côtés. Allez, alors, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Voilà, donc je pose ma table de craft.
Je le fais à four, donc là c'est le début, hein. Et puis bah hop. C'est quoi? La viande du lapin cru. Je crois que j'avais lu moi viande de lapinou. Bonjour, c'est de la viande de lapinou. Hop. Hop. Ouais, je prends un peu de cobe. Il fait déjà nuit. Faire cuire du bois parce que faut des trucs quoi. Ben, je vais manger mon lapin. Voilà. Ça donne pas mal. Hop. Du charbon. C'est parfait. J'ai pas encore de charbon, alors je fais comme ça, hein. Je fais à l'ancienne. Voilà, alors hop, hop. Hop, hop. Je range l'inventaire. Pendant que ça cuit, je vais prendre le fer qui est juste à côté. Alors je vous dis, je fais rarement des parties survie. Donc c'est une de mes premières. Voilà, une des premières fois que je fais de la survie comme ça. Tranquille, bébé, posé. Je vais faire un deuxième four pour accélérer le tout. Ça va jamais avancer sinon. Oh bah, voilà. Voilà une deuxième caverne. C'est comme ça qu'on trouve les cavernes. Ah, il m'en manque un. Hop. Pour trouver une caverne, c'est ça. Vous creusez dans le mur, vous en trouvez. Hop, hop. Je vais mettre un peu de fer à cuire. Voilà, je garde un peu de bois. Et là, je vais mettre juste un pour faire cuire ce steak. Ouais, c'est parfait pour le moment. Pendant que ça cuit, je vais explorer un peu par là. Coucou, madame la chauve-souris. Il y a du charbon en plus. Donc c'est super. Hop, je prends le fer. J'ai une pub en tête, c'est très embêtant. Ouais. Donc, quoi d'autre vous dire? Oui, quoi d'autre vous dire? Bah voilà. Je sais pas, je vais faire cette série jusqu'à... Je pense, hein, pas mal d'épisodes, jusqu'à ce que ça me lasse. Et puis voilà, jusqu'à ce que ça me lasse, donc ça me laisse pas mal de temps, je pense. Je n'en sais rien. Et donc voilà, je vais faire plein de vidéos. Enfin, tous les vendredis, bien sûr. Bon, voilà, c'est un cul-de-sac. D'ailleurs, je vais en profiter de cette vidéo qui sera certainement pas mal vue, je sais rien. Moi, je ne sais pas, je suis pas vous. De dire mon programme vite fait de vidéo, je le ferai dans une annonce importante, peut-être, ou peut-être pas, j'en sais rien. Mais je vous le dis, je sais pas si vous avez remarqué, sinon vous êtes très idiot. Mais le lundi, bah, c'est mini-jeu. Sauf que le lundi, ça sera aussi Zoticoon ou mini-série. Je sais pas, ça sera ça. Zoticoon, mini-jeu, mini-série. Et le vendredi, c'est les plus grosses séries du genre Banquise Maudite. Même si c'est fini, mais ouais, c'est un exemple. Genre Banquise Maudite, la série que vous regardez actuellement. Ou Pokémon KO, hein, pourquoi pas, il y a des coquins. Hop, punaise, le creeper. Ok, bon, j'espérais un début d'aventure un peu plus calme. Et pas directement des creepy dans ta face. Et des zombies aussi. Bon, c'est un début d'aventure très mouvementé, on dirait. Mais bon, que voulez-vous, c'est le jeu, hein. Le jeu en a décidé ainsi. Voilà, je fais déjà l'objectif faire du fer. Trop top, génial. En haut, bah, hop, je remplace. Et, hop, hop, hop. Voilà, j'utilise ça. Je devrais pas, mais je vais utiliser le fer qui est juste après. Ouch. J'ai de la chance sur les filons de fer, ils sont assez gros. Pour un début d'aventure, c'est plutôt pas mal. Et vu tous les mobs, voilà. Les mobs qu'il y a autour, c'est plutôt intéressant, je trouve. Vite, vite, le fer. Voilà, j'ai 15 fers à cuire. Je vais rajouter le petit charbon là. C'est quand même énorme, hein, les mobs que j'ai trouvé dès le début. 4 squelettes, un zombie, un creeper, tout ça. Creeper que je croyais qu'il allait pas exploser, en fait, si. Là, je vais utiliser ma pioche en bois. Hop, économie. Je pourrais la faire cuire. J'ai entendu le bruit d'une flèche. J'ai rêvé. J'ai entendu le bruit d'une flèche, je deviens parano. Parce que si je deviens parano dès le premier épisode, qu'est-ce que ce sera au centième, hein, s'il y en a, bien sûr. Rien de minage. Après,
Après, que vous voulez que je vous dise, là je bide, je peux pas faire dire des choses méga incroyables, à part que... Voilà, on est tombé sur une bonne caverne pour commencer, on a bien fait de commencer par celle-là et pas par l'autre. Sinon, l'endroit où je suis tombé est plutôt pas mal, c'est une belle prairie avec plein de chevaux et d'ânes. Hein. Même si j'ai besoin de chevaux, ça sera pas très loin, ça sera juste à côté. Pareil, si je veux un lapin, je sais pas à quoi ça va me servir, mais je pourrais en avoir. Donc c'est plutôt un bon biome, en plus c'est une prairie, donc on peut se balader un peu n'importe où. Très bien. Hop. Pardon. Donc je mange un peu de steak. Parce que c'est bon le steak. Après, même si le gars dans Minecraft, il doit être très fort pour manger du steak, comme ça, pleine bouchée. À la main. Avec une main, sans fourchette. Il coupe avec son couteau. Ah là, ce filon de charbon était immense. Pouch, on fait 12 torches. Maintenant, je vais voir où c'en est, ça. Le fer, ça cuit. Le mouton, ça a cuit. Je récupère ma table de craft, parce qu'on va avancer un peu, maintenant. Ce serait bien d'avancer, aussi. Non, je devrais me faire une épée. Une épée un peu plus puissante. Ouais. Alors, pouch. J'ai pas eu d'enfer, hein, je vous en prie. Je suis pas aussi riche que cela. Voilà. Voilà, hop, je mets ça à cuire, à la foutre. Je récupère. Hop, je mets ça à cuire maintenant. Je range mon inventaire en attendant. Voilà. Le fer, c'est récupéré. On peut repartir, allez hop. Je préfère ne pas courir, hein, on est au début de l'aventure. Mais vas-y, passe-moi de creeper dès le début, je te dirai rien. Vas-y pote, pète. Voilà. Il est pas mort. Hein. Je pense qu'une armure sera très important à la suite de cette aventure. Parce que... je sais, j'ai pas fait souvent des parties survie. Mais j'en ai regardé souvent sur YouTube et jamais je me suis souvenu de voir des gens qui commençaient avec autant de mobs dès le début dans leur première grotte. C'est rare, je pense, hein. Souvent la première nuit, voilà, tranquille, zen, mais bon, là, casse-toi la petite chauve-souris. Donc là, je remonte, je ne sais pas par où je vais, mais je remonte. Donc, se coupe, ah, vas-y, creeper. Et en plus, il y a une sortie. Voilà, heureusement que j'ai tué, sinon j'avais crevé. Ok, bon là c'est l'entrée de l'autre grotte qu'on avait vue. Il y avait du charbon, mais je vais pas le prendre. Parce que voilà le charbon, au bout d'un moment on a cette lac. Hein. Hop. Là j'ai 12 torches. Ça descend par ici. Ça descend même plutôt pas mal. Hein. Voilà. Aïe. C'est mal. Ok, je suis descendu pour un trou. Voilà. Il y avait un cul-de-sac. J'aime pas quand le jeu se fout de ma gueule à ce point. Ouais, puis j'utilise la diorite pour monter. Je suis un fou. Et maintenant, je mine. Voilà, je pioche. Allez. Tiens, je vais prendre les deux qui dépassent là. Parce que c'est la vie. J'ai envie de prendre les deux qui dépassent. Hop, je redescends tout en bas. Cool, la chauve-souris. Cool, deuxième chauve-souris. Bon, on va passer de l'autre côté. Ah, je sais pas ce que vous en pensez. Ok, c'était vide. Alors... Merde, j'ai posé au mauvais endroit. C'est très chiant, les courants d'eau. Hop. Ok, encore un trou. Bon, c'était une petite grotte, mais ma foi fort sympathique et ma foi fort dangereuse. Donc je pense explorer l'autre grotte, parce que voilà, c'est le jeu, c'est le but. Voilà, je vous pose pas votre avis non plus. Hop, faire plein de sticks. Faire des torches, voilà. Ça, j'en aurais pas mal. Je vais reprendre du charbon, vu que j'en ai flux maintenant. Bravo, Pied de Gucha.
Tu as utilisé tout le charbon que tu avais, maintenant tu en as plus. Tu vas devoir en revider, tu vas devoir détester bider le charbon, parce que je déteste bider le charbon. Miner du fer, je dis pas. Miner du fer, je dis pas. Mais miner du charbon, j'aime pas. J'entends siffler, je n'aime pas quand ça siffle. C'est de mon nez, vous savez. Cette journée est très bizarre, je regarde derrière moi, regarde. Donc voilà. Ça siffle encore. Arrêtez, monsieur, dans la rue. Je pense que vous êtes dans la rue. Je ne sais pas. Vous devez entendre les voitures, d'ailleurs. Ou les tracteurs. Je sais pas. Je préfère pas savoir. Voilà. Bon, bah, rentrage de maison. Enfin, j'ai pas encore de maison. Donc, voilà. Et en plus, le jour se lève. Donc, c'est super. C'est super. On a 20 minutes de vidéo. On va retourner dans la plaine. Dans la plèbe. Non, la plèbe, hein, pas la plèbe. Hein. Je voulais pas dire la plèbe. Enfin, si, je l'ai dit volontairement, mais je voulais pas vraiment le dire. Désolé si vous faites vraiment partie de la plèbe. C'est pas de ma faute. Ok, mais c'est la fête, ici. C'est violent, ici, le jour. Toi, t'as l'air sympa, la petite araignée. Bon, on va pas embêter le creeper plus longtemps. Hein. Il a pas l'air de vouloir nous embêter. Plutôt cool. Oh, je vais me dépêcher de courir. Bonjour petite Enderman. Bon bah explorage de grotte encore. Ah, on est en début d'aventure donc il faut bien explorer une grotte. Voilà. Ok, y a rien. Bonjour, c'est vide. Donc j'entends vraiment souffler. Descendons. Il y a de la lave. Souvent des lieux comme ça dans les grottes. C'est très très grand. Mais il n'y a pas grand chose. On va passer par là. Je sais que ça descend de l'autre côté, mais j'ai envie de descendre par là. Ah. Je vais pas me dire où je dois descendre. Hein. Bonjour, on va voir de la durite de bossu, vous savez. Bonjour, c'est de la durite bossu. Là, je la sens bien, cette grotte. Pas pourquoi. Il y a du charbon, il y a du fer. Là, je la sens bien. Je vais prendre fer. Hop. 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 Oui, j'adore faire hop. Hop. Et pas hop. Et youpé là. Donc vu que cette map a l'air assez dangereuse, ma foi, je vais commencer à me faire un bout d'armure. Parce que voilà, c'est très dangereux par ici. De toute façon, on a dû faire, autant l'utiliser. Bien l'utiliser à quelque chose sous ce fer. Donc hop, je récupère. Je me sens déjà un peu mieux protégé. Bien sûr, dans mes constructions, j'utiliserai peut-être les nouveautés de la 1.8. Certainement, autant les utiliser. Ah oui, j'aurais aussi visité les temples de l'eau. Ça fait un peu penser à Zelda, les temples de l'eau. Mais bon, que voulez-vous, c'est le jeu. Ah bah ok, bah c'est encore un trou du cul. Enfin, un trou du cul, oui. Maintenant, tous les cul-de-sac, je vais appeler ça un trou du cul. Pourquoi? Parce que voilà. Non, je vais pas appeler ça de trou du cul. Je vais quand même appeler ça des cul-de-sac. Tout simplement. Tiens, je te tue. Mais dans cul-de-sac, il y a cul. Alors, voilà, c'est pour ça que j'ai dit trou du cul. Excusez-moi, je tapais pas. Bon, bah, c'était une petite grotte, ma foi, fort petite. Donc, bah, que voulez-vous que je vous dise? On va retrouver notre grotte, hein. Il faudra bien... Je vais prendre en screen les coordonnées. Il faut bien... Ah, j'ai repris un autre screen. Que voulez-vous? Bah, il faut bien qu'on s'installe quelque part. Ah ouais, on doit aller... Pourquoi il ouvre ça? Je suis en train de vérifier un truc. Like our sky... Day 1. Ça fait un jour qu'on est dans cette zone. Bon, bon. Moi, je dis, on va explorer par là. Je sais pas, je le sens. Trouver quelques grottes, voilà, c'était fort sympathique. Mais maintenant, je décide de passer par là, parce que je sais pas, ça me donne envie, là. Il y a des fleurs, des coquelicots. Je dis, vite, viens par là, donc je vais par là. J'espère qu'on va trouver une grotte qui nous mènera jusqu'à notre premier diamant. Parce que... Voilà. Là, j'ai fait faire du fer, ce qui manque, c'est du diamant, ici. Avoir une pomme de Dutch, et là, faire repeupler des gens, ou faire avoir le pouce vert. Voilà. D'ailleurs, avant le pouce vert, mettez un pouce vert si vous avez apprécié cette vidéo. Même si elle n'est pas finie, hein. Mettez-en. Hein.
toujours sympa. Je garde ces moutons. Ce sera pour un élevage, peut-être. Acheter. Eh ben, il y a notre grotte ici, on va la voir. Il y a un barré, on devrait peut-être le voir aussi. Parce qu'on a tout notre temps. Mais c'est quoi son groupe d'ordre de chevaux? Bonjour, on est les chevaux des cavernes. Vous savez, ces chevaux des cavernes. Vous savez, ceux qu'on met dans les mines de charbon. Ben, c'est eux. Ceux, les chevaux des cavernes. Vous avez menti depuis le début. C'est pas des ânes, c'est des chevaux des cavernes. Puis si ça se trouve, vous en foutez totalement que ce soit des ânes ou des chevaux dans les mines de charbon à l'époque. Mais moi, je suis de votre avis, on s'en fout un peu. Mais bon, voilà. Voilà, on s'en fout. C'est pas ce qui est le plus important, c'est la même chose. Ils sont tous les deux quatre pattes, ça fait tous les deux UU. C'est, et tous les deux, les filles et les hommes. Ok, c'est bon, j'arrête. Ok, c'était encore un cul-trou du cul-de-sac. Donc, mais bon. Mais il y a du fer hein, dans ce trou du cul-de-sac. C'est plutôt sympathique. D'ailleurs, je vais mettre les blocs à portée de main. Bon, non, j'en ai qu'un, mais je vais mettre ce bloc à portée de main. Comme ça, si j'ai eu un problème, ce bloc va me sauver. Hop, on va par là. J'ai chaud à la main. Bonjour les chevaux des grottes. Ah, ok, un zombie et un chevaux des grottes. Vous pouvez pas... Mais sérieux, qu'est-ce que tu fous là, chevaux des grottes? Tiens, je vais se prendre en screen. À la foutre. Donc ouais, cette mine est assez chelou. Déjà, on trouve beaucoup de mobs, hein. Ça c'est sûr. Hein. Là, on va pas cracher dessus. Vos mobs, ils se sont pas fait chier. Hein. Mais bon, c'est le jeu. Hein. Tant que je meurs pas, et puis j'ai une petite armure. Début d'armure. Bon. Bon, il y a le squelette qui va toucher. Je le vois, qui va regarder. Attention. Mince, j'ai tué le cheval. Non, je l'ai pas tué. Je vais crever. Bon, bah là, le cheval est mort. Hein. On a du cuir, au moins. Encore un... Oh, d'où vous spawnez? Ok, bah va faire demi-tour si tu veux, petit. Moi, je vous dis, ça pue le spawner, hein. Un peu con. Je crois avoir une carotte. Yeah, j'ai une carotte. On va faire un truc avec le blé, des carottes. Passer par là. Ok, il y avait rien. Ça me gratouille. Ok, il y a personne. Alors du char. Ouh, wood fire. Bon, on ira l'explorer. Il n'y a rien ici. Mec, c'est quoi là? Pourquoi tu me fais poser des torches pour... Voilà, il n'y avait rien. Même pas un charbon, même pas rien. Alors, déceptitude. Plus totale. Alors moi... Mais casse-toi, le zombie! Ça pue le spawner, je vous le dis. Ah bah, il y avait du fer, au moins. J'entends des zombies. Ça vient de par là. C'est sérieux, un creepy maintenant. Voilà. Donc j'ai de l'air par ici. Bon, je vais enfermer cet endroit pour le moment. Voilà. Donc je vais m'installer par ici. Voilà. Je vais poser ma table de craft et les deux fours. Ici, bah, je vais faire cuire tout mon fer. Voilà. Et puis, je vais me faire une petite pioche en fer. Voilà. Et on est à la couche 44. Et ben moi, ce que je vous propose, les gens, parce qu'on est déjà à 28 minutes de vidéo, et ouais, ça passe vite. Ce que je vous dis, c'est à la prochaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez un pouce vert. Donc, si vous avez apprécié, laissez un commentaire pour donner vos idées d'objectifs ou de ce que vous pensez de la série et tout ça. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. En tout cas, moi, je vous retrouve à la prochaine fois. Je sais pas du tout ce qu'il y a derrière ces deux grottes. Vous me dites dans les commentaires laquelle vous voulez que j'aille. De toute façon, je sais déjà qui je vais prendre, donc ça sert à rien de vous le dire. Je vous le dis quand même. Donc voilà, salut à tous et amusez-vous bien. Allez, bisous.